Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Star Wars. Waouh, Jedi Survivor, excusez-moi j'en perds carrément le nom du jeu tellement c'était tendu. Et on est donc parti, point de compétence obtenu, c'est la base évidemment. Comment bien commencer un épisode? Et lui le frérot, hop, allez dégage là-haut, adieu. Adieu. C'est bien ce que je pensais. Donc, let's fucking go. Oh, attendez, il n'y avait rien à aller récupérer là-bas. Mais si, bordel, mais si, il y avait un truc. Bougez pas, je fais tout le tour, rien à péter. Oh, je l'ai régalé. Ça a marché. Continuons d'avancer. Je l'ai régalé. Ok. On refait encore le tour parce que là-bas, il y a un coffre. J'allais louper ça. Ah d'accord, c'est de l'autre côté, merde. Mince plutôt, excusez-moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de j'aime et de commentaire. Je vous le dis d'avance, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Sachez-le, hop. Et on va aller récupérer de ce pas le petit coffre qui m'attend là. Allez, également, on a quoi là? On a cross diligence, incroyable. En termes de diligence, on commence à être très très bon. Donc c'est parti. Le jeu toujours aussi fou. On est toujours dans ce fameux complexe au fond de la forêt. Et je vous cache pas que je sens qu'on se rapproche de la fin. En tout cas ça fait très temple, ça fait très Zelda. Et je trouve que c'est trop trop bien fait. On peut aller à gauche. Ok, on peut aller tout droit. Donc bah vous savez quoi, on va plus aller tout droit pour le coup. Je me demande depuis quand il était coincé dans ce truc. On dirait que cette drôle de matière peut prendre différentes formes. Mais il m'en doit une. Espérons que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses. Il m'en doit une, il m'en doit une. Et j'espère qu'en haut de la tour, on va avoir une dingue en termes de récompense. Très bien, on commence par un coffre. J'aime quand on commence comme ça. Commençons par les choses sensées et concrètes. Et les récompenses sont beaucoup plus satisfaisantes, je trouve. Le bas du chasseur. Très bien, ça, je suis très content. Avec toutes ces couleurs. Ok, allez, vas-y, emmène-moi à l'échelle. J'en sais rien, c'est important. Personne peut entrer ni regarder. Défends-moi. C'est pas ce qu'il y a dans cette tour. Posez des questions, fais pas partie du boulot. Mais non. Maintenant, montrez votre supériorité. Ok. Non, après toi. Personne peut aller aussi vite. Examinons. Ok. Allez. Allez, let's go. Ouh, allez, ça commence plus tôt, bien. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait beaucoup de choses. On avait cet espace qui n'est pas envahi de ce type d'insecte ou je ne sais quoi. Ou quoi ou qu'est-ce. Un man ici mort. Ok. Mon oiseau qui m'attend là-bas. Un long couloir sur la droite qui peut être un raccourci. En vrai, il y a de fortes chances. Non, c'est de là où on vient. Alors peut-être un coffre. Un disque de données de la Haute République. Ok. Zed saura quoi en faire. Je prends. Merci beaucoup. Ça suffit, j'en voulais pas plus. Là, peut-être déverrouiller un sacré raccourci. Bien sûr, c'est évident. Ah oui, c'est même un très beau raccourci, ça. J'y avais même pas pensé à venir ici. Superbe. Ici, ok. Ah, toujours cette forme de... des insectes, une nuée d'insectes. Très bizarre. Une nuée d'insectes ou autre. Ok. Très bien. Bah écoutez, si je suis encore doté d'un cerveau, il me semble que je prends la boule là-haut, là au milieu. Voilà, plus vraiment besoin. Allez, ok. Ça peut coûter cher pour le retour. Putain, comment? Attendez.
très bien ça. Je connais ça. Okay. C'est la même technologie que celle de la salle de Z. On n'est plus très loin. C'est relou. Voilà ces droïdes espions. Okay. On n'est pas les seuls à s'intéresser à ce complexe. Encore des droïdes espions. Allez, on prend un ascenseur. Fouiller l'intégralité du complexe, Belly. Voilà notre dernière étape. Si la clé de Tanalore existe, alors elle doit être là. Et sinon, putain, c'est que Zed a vraiment pété un câble. Ça sent pas bon, ça. Aile de rééducation. Ça sent pas bon, les amis. Hein. Il est temps, peut-être, de s'attribuer les points de compétence. Qu'est-ce qu'on peut se mettre, là, si je peux me permettre cette expression? D'accord. Appuyez sur triangle en l'air. Ok. Et niveau force? Niveau force, on n'est pas si dégueu que ça. Augmente la durée des attaques des ennemis confus. On va augmenter la durée. Ça me paraît pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre? Bah strictement rien. On est parti. On est parti, on est parti. Une petite save, ça fera de mal à personne. On récupère sa full stamina. C'est tout bon, BD. Et je pense que là, on va affronter un boss hardcore. Ça doit être là que Sam Tarikri avait l'intention d'envoyer Zed. La clé de Tanalore a été cachée pendant des siècles. Je me suis emballé. Ça a marché. On dirait que le complexe s'active. C'est l'heure de vérité. Ok. Ça sent pas bon, hein. Bienvenue à Tanalore. Ah, c'est magnifique. Oh. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi Dagan Gera se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. Comment pourrais-je refuser? Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh, fais attention. Où on pourrait croire que tu es devenu humble. Ok, 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 ok. Là, on est dans quoi, là? Des souvenirs? Ouah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc à gauche, un truc à droite. Ok.
Bon, de toute évidence, on ne peut pas aller à gauche. Ou vaut mieux éviter du moins. Qu'est-ce qui se passe? La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Le Jedi, on dirait un pervers sexuel. Ici. Oui. C'est aussi ce que je pensais. Ok, donc ils vont construire un temple Jedi, très bien. Oh, ça passe juste, hein. Oh, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie Centauri. Et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalor ? Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème ? Notre temple sera un bastion pour l'ordre. Ici, à la frontière galactique. L'Abyss bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Ça sent le guet-apens. C'est très bizarre. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du Conseil ne sont pas réputés pour leur jugement hâtif. Surtout Maître Rancis. Mon duel avec le Jedi n'a pas pris si longtemps. Et pourtant, tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Et le Conseil aussi. Aie confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a ? Préviens les autres. On nous attaque. Tu n'es pas là. Tu ne devrais pas être ici. Libère-moi. S'il te plaît. Ah ! Pas libérer une bonne personne. Moi, c'est Cal. Cal Kestis. Et tu dois être Dagan Gera ? Oui, c'est moi. Tu es un Jedi ? Oui. Mais les choses ont changé depuis ton départ. Un seigneur Sith a corrompu la République. Il en a fait son empire. Ils ont détruit l'ordre.
et il traque ceux d'entre nous qui ont survécu. Mais... tu es libre. On peut les affronter. Ensemble. Lui, je le sens vraiment pas, lui. Je dois retourner à Tanalore. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as atterri ici? On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Et nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Tanalore et refuse de mener la contre-attaque. Ils ont renoncé? Oui. C'était ma découverte! Mon foyer, et ils voulaient que je fasse une croix dessus! Dagan, attends. J'ai dit non, et j'ai été trahi par celle en qui j'avais une confiance totale! Non, arrête! Qu'est-ce que t'as fait? C'était évident. Tu gaspilles ton énergie. Tu débutes, non? Ok. Sois témoin de la véritable puissance. Allez, ça dégage. Ok. Quelle corvée. Lâche. Chier sur toi. Ridicule. Ok, nickel. Ok. Faible. Oh, je suis trop chaud. D'accord, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre. Putain, mais je sais pas parler, frère. J'ai compris son pattern. Ce misérable orc. Ok, j'ai compris son pattern. Mais là, ça va, je pense, changer. Tu es désespéré? Bonjour, toi. Ok, donc son pattern a déjà changé, hein, vous l'aurez compris. C'est tout. Ok, très bien. Tu as peur. J'ai pas une blessure. La vache. Ok, bien ça. Très bien ça. Je veux apprendre à lancer mon sabre laser. Même si normalement je sais le faire. Je ne retournerai jamais en prison.
Je ne suis pas ton ennemi. Il ne reste plus que nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça. Attends ! Clé de Tanalor. Retour vers le présent. Dagan, comment elle aurait pu confier Tanalor à quelqu'un comme lui? Ben c'est terrible, on a libéré le mal. On a libéré le mal. Nouveau pouvoir. Ah, santé en plus. C'est mieux que rien, je peux vous dire que je prends. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'allons-nous faire? C'est chiant ce qui se passe. Ok, là qu'avons-nous? Tout ça est bien embêtant. On repart par là, genre? Comme si de rien n'était? Bon bah allez, hein. Allez. On a quasi pas perdu de vie. Honnêtement, plutôt cool. J'ai quand même l'impression que Fallen Order dans ses débuts était un petit peu plus complexe. Après, bon, je suis prêt. J'ai fini Fallen Order. Donc, par conséquent, j'ai eu quand même l'entraînement de Jedi Survivor. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait Fallen Order et qui se lance dans Survivor meurt un petit peu plus? Je sais pas, en vrai, c'est tant de questions, hein, bien évidemment, qu'on s'envoie là. Sans jamais avoir vraiment de réponse. Oh, trop bien. Attends. Attends, comment ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien là qui traîne? Ah. Attends. Je ne suis pas une menace. Continuez à lui mettre la pression. Je me souviens. Protège-moi. Allez, dégage. Oh merde. Attends, reviens par là. C'est bien ce que je pensais. Ouais. C'est les problèmes, ça. Hein. Ouais, on a toujours les problèmes aussi ici. Hein. Je sais pas trop où aller en vrai. Il faut juste revenir en arrière. Ça me paraît presque bizarre. Bon, je suppose qu'il faut revenir. Je suppute, je dirais même, qu'il faille revenir en arrière. Pourquoi pas? Écoutez, on y va. On n'a plus grand chose à faire derrière. En tout cas, le combat s'est plutôt très bien passé. Avec une bonne gestion de ma part, je ne vais pas mentir. Oh, merde. Reviens par ici, toi. Ok. Très bien. Allez, superbe. Écoutez, c'est terminé pour le complexe, je pense. Non, abusez pas les gars, abusez pas. Je vais vous arracher la gueule, ça va vous faire tout drôle. On a un petit atelier. Indisponible en combat. Quel dommage. Ok. Non mais c'est pas... On a loupé quelque chose, non? On a le gros rayon maintenant. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Ok, très bien. Si, bah écoutez, bah je pense qu'il faut juste partir, hein.
Même pas. Même pas. C'est pour un putain de coffre. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Le chasseur, le haut, cette fois-ci, trop bien. C'est quoi ce bordel, les gars? Où on peut partir? Attendez. Ah, mon objectif était là-haut. Oh non. Allez, on fait demi-tour. C'est bien ce que je pensais, on a loupé quelque chose. Bon, par contre, on est revenu pour un coffre, ça c'est pas plus mal. Je sais que vous, ça doit vous faire vriller. Mais attends, mais je suis fou. Il me suffit juste de faire ça. Ah oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh non, putain, je les ai fait réapparaître. Non, c'est bon. Attends. Bah oui. Ok. On y va, l'artiste. Vous avez vu, on les entend ronfler de loin. Allez, let's go. On est reparti. Faut monter, hein, c'est ça. Allez, on va y arriver. Comment j'ai pu louper un vaisseau? Je sais pas. J'en ai aucune fichue idée. C'est pas bien grave. Là, peut-être? Non. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? J'ai loupé un truc de fou. C'est là? Je dois être teubé. Comment ça? Ok, c'est littéralement à l'autre bout. Ok. C'est bon, j'ai compris. Ok. Parfait, on aurait pu tourner très longtemps. Trop longtemps, je dirais même. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air incroyable. Laissez-moi ressentir ça. Tanalor était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es. Ok, point de compétence obtenu. Merde, je me suis trop éloigné. Excusez-moi. Tanalor était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es vraiment, Dagan. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. Voilà. Ça, c'est fait, mon petit pote. Allez. Bon bah les amis, on rentre au bercail. Malheureusement, on a juste libéré le mal. Je me demande si Grise et Baud ont réparé le Mantis. Oh putain. J'ai pas l'air plus stressé que ça d'avoir libéré le mal pour le coup, donc pourquoi pas. Ok. Rendez-vous sur le Mantis. Très bien. Alors, point de compétence. On va commencer à se le mettre en survie, si je puis me permettre. Ça pourrait être, je pense, plutôt pas trop mal. Augmente le niveau de santé max.
Bah, go, en vrai. Go, go, go. La santé, c'est cool. C'est très, très cool. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis... C'est reparti. À la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.